Salut, moi c'est Valet, je suis le bassiste, voilà. Oh, c'est dur. Yes, c'est Mortar, mais on est là aujourd'hui pour la fête de musique avec toi, ok, big up. Ouais, salut, ben, moi c'est Jeff et je suis venu faire la guitare avec Toya. J'ai acheté ça en Côte d'Ivoire. Yeah. Lors des festivals Fénix. Voilà, avec Ajama. Bien ça. Ah, bonjour, ça va? Oui, oui, je me rappelle bien de. Voilà. L'orchestre est reconstitué. C'est ça. Michel, c'est des fidèles. Ouais. Ils étaient là déjà l'année dernière. Ouais. On y va. Yo, regarde le drums, hein. Ouais, mais les drums. Ben écoute, on est là, comme d'hab. On va essayer de donner un peu la silence. Comment ça va se passer? Ça c'est une longue histoire et ça a commencé par l'amour de musique. Voilà, reggae musique, ça on a. Moi j'ai kiffé ça personnellement par rapport à tout ce que les Jamaïcains ils ont fait. Les sons de Bob Marley, et, j'ai vu Benning Spear en live, Bonnie Wale, j'ai écouté beaucoup Peter Tosh. Ouais, beaucoup de grands comme ça et c'est eux qui ont fait que j'ai bien aimé les reggae et tout. Et après j'ai eu envie de le faire parce que moi je faisais la musique traditionnelle, ce qu'on appelle gambere. Et je parle l'histoire traditionnelle du Mali et surtout dans la région vers Kayes.
Et du coup, moi je suis Soninké et je parle bien l'histoire de Soninké, je suis conteur. Et bon, ça c'est une longue histoire aussi, c'est des familles, hein, des filles, père en fils, et puis nous dans notre famille c'était comme ça, on jouait les gambrés et puis on parle de tout ce qui s'est passé chez nous dans le temps quoi. Et du coup voilà, le groupe Toya est né à Paris en 80, disons 95 quoi. Et il y avait moi et mon frère Jimmy, Saru, Edouard, on était beaucoup. Et après, ben, le premier concert qu'on a fait, c'était en 2000 avec Master Jeff qui est là et Wuri Mukhtar. Et il y avait Sam Kone. Et puis en ce moment-là, il y avait qui les choristes qui s'appellent Tanti. Donc voilà, donc il y a tous les groupes. Et là, il y a Valès qui est là aussi, qui est au bass. Et voilà, le groupe est né depuis 2000. On a fait le premier concert. Et depuis, bon, on tourne ensemble et on aime ça. Et on pense qu'on va pousser jusqu'au bout. Quoi. Là, c'est pas... Yes, man.